comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans nos discours, c'est un tournoi, n'est-ce pas, pour l'animation de Kamé, mais aussi et surtout pour le renforcement de l'intégration et la cohésion des étudiants au niveau de l'Africain. Donc, avant d'aller plus loin, permettez-moi aussi de remercier, de féliciter son excellence, le chef de l'État, Macky Sall, qui a rendu possible l'organisation de ce tournoi avec une très forte subvention. Parce qu'il a compris très très tôt que l'Afrique de demain, c'est les étudiants. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, l'Afrique est là représentée avec, n'est-ce pas, tous les pays de la sous-région. Et l'Afrique, la communauté étudiantine africaine, sera éternellement reconnaissante, n'est-ce pas, à son excellent président de la République pour l'appui extrêmement considérable pour l'organisation et la réussite de cette troisième édition. Parce que comme vous le savez, la première édition, n'est-ce pas, a été organisée, n'est-ce pas, pour le basket, tournoi universitaire de basket, remporté par le Mali. L'année dernière, c'était le Mali, c'était le tournoi universitaire international de football, et cette année, c'est la troisième édition. Donc, c'est le lieu vraiment de remercier très fortement le comité d'organisation, les dames engagées derrière, n'est-ce pas, le docteur Bassirou Gueye et la communauté étudiante ici représentée par le secrétaire général de la commission sociale des étudiants, la coordination des étudiants, donc tout le monde, n'est-ce pas, la main dans la main, n'est-ce pas, on réussit, n'est-ce pas, le pari, n'est-ce pas, d'organiser ce tournoi international de football. Nous avons été très honorés d'avoir reçu l'invitation de monsieur le directeur du CRUS et de monsieur le directeur de l'université Gaston Berger pour participer à ce tournoi. Pour l'université du Cap-Vert, c'est la première fois. Nous sommes 23 personnes dans notre délégation. Je suis accompagnée par la doyenne de la faculté de sciences sociales, humaines et arts, et pour les étudiants de l'université du Cap-Vert, des différentes facultés de l'université du Cap-Vert et du personnel des associations sociales et de l'association académique. Je voudrais bien féliciter l'université Gaston Berger, le CRUS de l'université de Gaston Berger pour l'initiative, mais pour la qualité de l'organisation. Et remercier bien pour la façon dont ils nous ont accueillis. L'amabilité, la gentillesse et la fraternité, l'amitié dont a parlé monsieur le recteur, c'est la première démonstration qu'il nous a fait, de l'amitié. Il nous a montré l'amitié, la fraternité et l'a invité. Je crois que c'est l'une des plus petites universités de l'Afrique. 5000 étudiants, l'université du Cap-Vert, l'université publique du Cap-Vert. C'est aussi un des plus petits pays du Cap-Vert, de l'Afrique, parce que nous avons 500 000 personnes. Alors merci beaucoup à l'UGB, merci beaucoup au CRUS de l'invitation. Nous sommes honorés. Merci.